Salut à tout le monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, ouais, ça va super bien. Alors aujourd'hui, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver pour commenter le top 5 de Code QG. Eh ouais, c'est pas un top 10 aujourd'hui les amis, c'est vous aussi, vous êtes en vacances là tous, vous êtes tous en vacances, personne ne joue, on reçoit pas de clips, c'est votre faute. Mais quoi qu'il arrive, ce top 5, ça envoie du lourd, donc on commence directement à la 5ème position sur du World at War. Sur World at War, qui fait plaisir, il va acheter son petit C4, l'activer, et faire ben, 5 kills avec. 5 kills avec, notre petit Nico il nous fait 5 kills avec, donc un char, donc la quad feed plus la feed char, je sais pas comment on peut appeler ça. Regardez-moi bien cette petite barre de feed, le petit zoom, le petit ralenti, c'est magnifique, une 5 on screen, une 5 on screen C4 sur World at War, bravo à toi. À cette 4ème place, on se retrouve sur notre petit Black Ops 3 des familles. Il attend au spawn, il fait des petits jumps, il est là, il fait bon, je sais pas trop, on va regarder derrière. Et la petite quad, une balle de Desox. La petite quad d'une balle, ça c'est fait, ça fait plaisir, merci beaucoup. Troisième position, on se retrouve sur notre petit Modern Warfare remasterisé. Donc il va nous faire une petite single. Donc la petite headshot et la quad d'une balle. Voilà, merci, au revoir, ça fait quad d'une balle, ça fait plaisir. Seconde position, on se retrouve sur mon Call of Duty préféré, sur Black Ops 2. Donc on est directement en début de partie, c'est pour ça que je vous laisse le gameplay complet. On est en début de partie sur... sur Black Ops 2, j'allais dire en mêlée générale, non, c'est du match à mort. Il pose sa petite insertion et là, c'est parti la boucherie. Donc là, il nous sort une collate, on sait pas d'où, mais il y a une collate, donc ça se fait plaisir. Un autre headshot, attendez, c'est pas fini, une autre collate. Le petit soin pour la quad feed. Et on est à la 5 feed avec une autre quad feed. Et encore une histoire, ça va trop vite, ça va... les gars, ça va trop vite, je suis désolé. Ça va trop vite pour moi, je vous laisse apprécier le clip tout simplement. Et le petit cut qui fait plaisir. J'ai même pas eu le courage de compter, tu les as défoncés, bravo à toi. Et pour le vainqueur de cette preuve, et pour le vainqueur de ce top 5. Donc on se retrouve sur, pareil, code 4 remasterisé, petite single, jusqu'à là tout va bien. Et il va se diriger vers le pré-shoot, on le connaît tous ce pré-shoot. Hop là, single, la triple une balle, ça fait plaisir. Là il est à la quad, là il rate, malheureusement il rate, il est déçu. Mais c'est pas grave, la 5OS, et deux fois la 5OS. Bravo, bravo à toi, ça fait plaisir, c'est du beau clip comme on aime. GG à toi mon gars. Et donc voilà les amis, ce top 5 c'est déjà terminé, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment à ma compagnie. Bah si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like qui fait plaisir, ça fait toujours plaisir le petit like. Surtout très important les amis, c'est les vacances, on a l'impression qu'il n'y a plus personne qui joue à la console. Les amis s'il vous plaît, allumez votre Call of Duty, envoyez-nous des clips, faites-vous plaisir. Je veux dire, on n'en reçoit pas énormément, donc ça sera peut-être l'occasion de réaliser un petit rêve. Passer dans le top 10 de Code QG. On compte sur vous quoi qu'il arrive dans comment participer. Tu mets ton clip sur YouTube, tu nous envoies le lien de celui-ci avec une description un minimum détaillée. Hein. Tu n'oublies pas ton pseudo, ça peut être très important pour la suite. Et t'envoies le tout par l'adresse suivante, donc codexqg@gmail.com. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Dadou. Allez, peace!